avoir la possibilité de jouer Zidane en légende sur FIFA ou PES. La légende Zidane! Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de la légende Zinedine Zidane. Avant d'attaquer ce sujet, juste deux petits rappels. Le premier, c'est que samedi 29 juin, je serai en compagnie de Luthor à l'Orléans Game Show pour le tournoi FIFA 19. Nous allons le commenter sur la chaîne Twitch du joueur pro Sneaky. Et enfin, pour le deuxième rappel, c'est que je serai en live sur ma chaîne YouTube dimanche 30 juin à 15h30 pour la présentation du projet e-sport autour de PES organisé par la FIFA, Fédération Internationale de Foot Fauteuil Électrique, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo avant mon départ pour le 3. Pour ceux qui n'avaient pas pu suivre cette vidéo, eh bien il s'agit tout simplement d'un stage totalement gratuit avec 12 personnes, 6 valides et 6 en situation de handicap. Et je serai le coach de ce fameux stage qui aura lieu les 13 et 14 juillet à Ivry-sur-Seine. Et j'avais dit que vous aussi, gratuitement, vous pouviez vous inscrire pour avoir la possibilité de participer à ce stage. À ce jour, on a reçu une quarantaine d'inscriptions, donc 3 seront tirées au sort dimanche 30 juin à 15h30 pendant mon live YouTube. Ce live sera diffusé en direct du plateau de O-Gaming avec 3 personnes en situation de handicap et un influenceur qui n'est autre que Luthi. Et grâce au partenaire Klim, il vous sera possible de gagner des lots gaming, casque, clavier, souris, etc. pendant mon live. Donc si tu as envie de suivre cette bonne action et de voir des personnes en situation de handicap évoluer dans l'e-sport, ça se passe dimanche 30 juin à 15h30 sur ma chaîne YouTube. Donc n'oublie pas d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la notification. À présent, passons au sujet de la vidéo. Donc vous allez vous dire, mais attendez, mais est-ce qu'il va y avoir Zidane sur FIFA, sur PES? Eh bien, je vais essayer de répondre à vos questions. Il y a de ça quelques mois, je voyais des petites rumeurs autour d'un fameux Zidane pour le jeu PES, mais je ne prenais pas vraiment ça au sérieux. Et à présent, j'entends qu'il y aurait une possibilité que Zidane soit dans le jeu FIFA 20. Là, je me suis dit, wow, là, c'est un truc de ouf. Alors, attendez, attendez, ce n'est pas non plus une source officielle telle que j'avais pu vous l'annoncer, par exemple, pour le mode FIFA Street sur FIFA 20. Il y a 2 mois, je vous avais dit, voilà, à 100%. C'est sûr qu'il y aurait le mode FIFA Street. Aujourd'hui, on a bien vu que oui, ça a été confirmé. Là, je vous dis que Zidane, il y aurait la possibilité, donc on prend des pincettes, mais effectivement, si jamais il arrive dans le jeu, que ce soit sur PES ou que ce soit sur FIFA, ou bien même les deux, pourquoi pas les deux, là, ce serait dingue. Et vous savez pourquoi ce serait dingue? Eh bien, parce que on a déjà les légendes présentes telles que Emmanuel Petit, Thierry Henry, Marcel Desailly, Laurent Blanc. Tu y rajoutes Zinedine Zidane, mais t'as quasiment l'équipe de 1998 quand ils étaient champions du monde. Il y a même sur PES Youri Djorkaeff. Donc, le fait que Zinedine Zidane arrive, que ce soit sur PES ou FIFA, ou bien les deux, pour moi, c'est l'une des meilleures nouvelles qu'on pourrait avoir en légende. Parce qu'on a déjà eu beaucoup de grosses légendes, du Ronaldo R9, du Gullit, du Ronaldinho, du Roberto Carlos. On a même cette année sur PES 2020 Andrés Iniesta en légende. Mais les amis, on est bien d'accord que la légende qui nous ferait tellement kiffer, c'est Zinedine Zidane. Et les éditeurs eSport et Konami le savent très bien qu'on aimerait avoir Zizou en légende. Et ce n'est même pas une question d'aspect financier entre les éditeurs et Zidane. Non, c'est plus Zizou qui ne voulait pas mettre son image en tant que joueur dans un jeu vidéo. En revanche, dans le FIFA précédent, ce qui laisse présager que des négociations pourraient avoir lieu pour enfin le voir en tant que joueur, on avait Zidane dans FIFA en tant qu'entraîneur. Et on le sait très bien que dans des précédents FIFA, je crois que c'était il y a 3 ans ou 4 ans, je sais même plus, on avait eu Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Et maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir Laurent Blanc en tant que légende. Donc, est-ce qu'il y aurait la même négociation, le même processus pour Zinedine Zidane? Eh bien, nous le saurons très prochainement et croyez-moi, dès que j'aurai l'info certifiée, eh bien, je vous la confierai. En tout cas, les amis, je vous le dis, on m'a dit de source sûre que, attention Sofiane, pour les prochaines infos FIFA 20, tu n'es pas prêt. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais du moins, ça laisse tout de même présager des choses plutôt bonnes. Et alors, concernant PES 2020, on m'a dit, Sofiane, tiens-toi prêt, ça va péter les infos. Alors, moi, je veux bien, les gars, mais allez-y doucement avec mon cœur, parce que moi, je vais pas tenir. Moi, je ne peux plus, je ne peux plus.
Donc voilà, plein de grosses news qui vont bientôt avoir lieu. Est-ce que Zidane ou non sera présent? On le saura, l'avenir parlera pour nous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. J'essaierai de répondre à tout le monde. Comme d'habitude, lâchez-moi un beau pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Partagez également la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en profite également pour remercier Thomas Dubois-Lebac qui m'avait fait un don de 25€ sur mon compte PayPal. Excuse-moi, je n'avais pas fait attention la dernière fois, donc je te fais des remerciements en vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à dimanche 15h30 en live sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.